des Affaires étrangères a précédemment reçu d'autres diplomates accrédités à Kinshasa, notamment celle de l'Éthiopie et celui de la Serbie qui a rappelé la visite du président Félix Antoine Tshisekedi à Belgrade en 2019. Il a mis l'accent sur la profonde amitié nouée depuis et besoin de la transformer en partenariat stratégique dans les secteurs comme ceux de l'aviation et de l'agriculture. Le ministre de Médias poursuit son séjour à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Lors de sa deuxième journée, Patrick Mouyaï a visité tour à tour la grande école de formation en journalisme et la chaîne nationale ivoirienne, l'Agence nationale de la presse et aussi la haute autorité de la communication. Question de s'inspirer du modèle ivoirien, comme nous dit notre envoyé spécial Gaëtan Magalano. Elle s'attendait certainement pas à voir cet échange avec le ministre Erdi Kongolé, en charge de la communication et médias. Production de vision. Dans cet auditoire de l'Institut de sciences et de techniques de la communication d'Abidjan, Francial Asb vide peut-être ses questionnements au sujet de la communication. Je suis stupéfait parce que c'est ma première fois d'échanger avec un tel personnel et puis je suis contente. Visite de quelques salles de cours, studios et autres locaux de la plus grande institution ivoirienne de la communication. Ici, dans cette salle, le ministre Patrick Mouyaya a eu droit à toutes les explications sur la formation de futurs professionnels de médias. Aussi, l'opportunité de mesurer le niveau de cette école du journalisme à celle de la RDC. La télévision nationale, la Côte d'Ivoire, on en a une. La radio-télévision ivoirienne, un groupe de trois grands médias aujourd'hui. Par l'initiateur du changement de narratif. De la salle de conférence en passant par le plateau JT 20h de la RTI, aussi ces plateaux d'enregistrement au menu de discussion, une collaboration entre la RTNC et ses grands médias. J'avoue que ce que j'ai vu ici est à plusieurs égards inspirant et donc je discuterai avec la télévision nationale qui est sous ma tutelle à Kinshasa pour voir dans quelle mesure, parce qu'il y a déjà des contacts qui ont été établis, aller sur du concret pour voir comment ne pas entrevoir de programme d'échange entre les deux télévisions nationales. Vendredi matin, c'est au tour du président de l'Agence nationale de la presse d'expliquer au ministre congolais la mission de cette autorité de régulation de médias imprimés et numériques. À la haute autorité de la communication et de l'audiovisuel, le ministre Patrick Mouyaya, face au président de cette institution, dont la mission réguler et contrôler l'audiovisuel. La salle de monitoring permet à l'ARCA de veiller sur un nombre de lois respectées dans la diffusion de contenu. J'ai été satisfait de voir que le président connaît très bien son homologue congolais, le président Bossembe, avec qui ils ont des interactions. Et dans les cas de ma collaboration avec le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication chez nous, nous allons voir comment nous pouvons de l'expérience ivoirienne pour être en mesure de consolider un certain nombre de choses. Connaissance partagée, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Erdi Kongolé, Patrick Mouyaya Katembwe, quitte les installations de l'ARCA avec une image nette et claire de l'espace médiatique ivoirien. Les conservateurs de titres immobiliers et le chef de division de cadastre de l'espace Grand Katanga étaient autour de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières. Akasia Bandouboula leur a communiqué des nouvelles directives visant la bonne marche de l'administration foncière. Plus de précisions dans ce reportage d'Aigu Bleskiti. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akasia Bandouboula Mbongo, a réuni les conservateurs de titres immobiliers et le chef de division du cadastre de l'espace Grand Katanga au cours d'une rencontre d'orientation et de prise de contact dans le cadre de la poursuite de ses consultations de l'administration foncière récemment lancée. Cette énième réunion par la ministre d'État s'est vue une impulsion de la nouvelle dynamique en faveur de l'administration foncière du pays. Ils viennent précisément de la province du Tangana, du Olomani, au Katanga et du Lualaba, les quatre provinces du sud-est de la RDC. Le numéro 1 des affaires foncières a salué la présence de ses invités qui ont effectué un long périple pour atterrir à Kinshasa et prendre part à ses assises. Nous sommes heureux de l'avoir comme patronne de notre ministère et nous pensons qu'avec elle, les choses vont aller de l'avant. L'orientation qu'il nous a donnée, nous on ne fera que la soutenir parce que sa réussite
Ça nous concerne aussi. Une réunion très pertinente avec des nouvelles orientations et nous pensons vraiment très bien qu'avec cet élan, les services pourront être bien redorés. Pour atteindre ces objectifs, a-t-elle souligné, il y a de préalables tels que le respect de la loi et le règle en la matière, insistant ainsi sur l'utilité de la compétence et de l'éthique professionnelle, appelant à plus de moralité et à l'abandon de pratiques en marge de la loi comme la corruption, la concussion, les détournements de biens et des deniers publics, les favoritismes, les népotismes, le trafic d'influence, l'établissement de faux documents ou toute autre manœuvre réussite, que le manquement au devoir de leur état, à l'honneur ou à la dignité de leur fonction constitue une faute disciplinaire. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a promis de se pencher dessus pour des solutions appropriées, insistant au passage sur l'atteinte des objectifs assignés suivant les orientations du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Les projets de loi semencières traînent encore dans les tiroirs du Parlement depuis 2016. L'absence de cette loi est aujourd'hui un frein pour développer l'agriculture en RDC. Le FAO veut donner un coup de force pour permettre à la RDC de se doter de cette nouvelle loi. Le représentant de cette organisation onusienne l'a dit au nouveau ministre d'État en charge de l'agriculture. Les explications avec Marie Kalong. La transformation du secteur agricole et la lutte contre l'insécurité alimentaire en RDC figurent parmi les priorités du ministre d'État, ingénieur Grégoire Mutchaïl Mutombe. Habitué au fonctionnement de partenaires au développement, le ministre d'État à l'agriculture et sécurité alimentaire a échangé avec le représentant de la FAO en RDC. Ongon Obam est revenu sur la collaboration existante entre la FAO et le ministère de l'Agriculture et sur la nécessité pour la RDC d'avoir la loi sémencière pour mieux développer son agriculture. Nous nous sommes mis d'accord sur les aspects les plus importants de notre collaboration, c'est-à-dire notre appui dans les domaines de compétences de l'organisation et notre disponibilité. Un autre partenaire au développement dans les murs du ministère de l'Agriculture, c'est la Banque africaine de développement. Son représentant, Soleiman Kone, qui s'est approprié de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la revanche du sol sur le sous-sol, est convaincu de ce moment propice de la transformation agricole. Il a présenté au ministre d'État la situation actuelle du partenariat Agriculture-BAD. Que nous venons échanger avec le ministre d'État sur la situation, notre portefeuille, les difficultés, les défis qu'il y a, et aussi prendre sa vision, ses préoccupations, ses priorités pour aller vite. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mutchaïl Mutombe, a salué cette collaboration qui doit nécessairement booster l'économie nationale et créer des emplois. Les produits agricoles congolais seront exposés en Chine à partir du 31 juillet jusqu'au 1er août lors d'un forum d'affaires et d'investissement. Les portes sont grandement ouvertes pour tout opérateur congolais. L'Agence nationale de promotion des exportations a sensibilisé les producteurs congolais sur la qualité des produits à exposer. Yvette Makuntima pour les détails. Les drapeaux tricolores de la République démocratique du Congo va flotter du 31 juillet au 1er août de l'année en cours à Beijing, en Chine, au cours d'un grand forum d'affaires et d'investissement RDC Chine. Chargée de vendre positivement les produits congolais à l'extérieur, l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX dit être prête à accompagner les producteurs congolais à ses rendez-vous internationaux d'échange. Le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambwe Lubemba, a au cours d'un panel lors de la cérémonie de présentation de ces forums, invité les opérateurs économiques de la RDC à mettre sur le marché de produits de qualité répondant aux normes internationales pour attirer plus de marchés au cours de ces travaux. Les investisseurs congolais doivent veiller à la présentation des produits, au design, à la qualité des emballages ainsi que la labellisation, la certification et autres. La Chine étant un partenaire clé pour la République démocratique du Congo, le forum Chine-RDC touchera plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et les mines. Le directeur général Mike Tambwe Lubemba a exhorté les exportateurs à s'approprier cette opportunité offerte par le marché chinois et à explorer les mécanismes de financement disponibles.
La Banque africaine de développement BADS était hier tour à tour aux installations du ministère de ressources hydrauliques et au ministère du développement rural. Conduite par son directeur général adjoint, cette banque veut aider la RDC dans la duplication de plusieurs projets qui touchent les deux secteurs. Le détail avec Yvette Makuntima. La Banque africaine de développement BAD, partenaire du gouvernement congolais, s'est dit prête à accompagner les gouvernements congolais dans la duplication des acquis de projets, prise et proadère sur l'ensemble du territoire national. Solomane Kone, qui conduit la délégation, et Muhindo Nzangi, ministre d'État, ministre du Développement Rural, conviennent de travailler ensemble pour un appui substantiel à l'économie rurale. Nous appuyons la RDC dans les secteurs stratégiques et surtout que nous avons deux projets phares dans ce département. Ces deux projets sont des modèles qui vont être répliqués ailleurs. Il s'agit notamment du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région centre et puis aussi le PROADER qui est le projet de développement de l'économie rurale. D'un ministère à un autre, cette délégation de la Banque africaine de développement BAD, conduite par Solomane Kone, directeur général adjoint de la région Afrique centrale et responsable des pays de la RDC, était aussi avec le ministre des ressources hydrauliques et électricité, le professeur docteur Teddy Luamba Mouba. Nous avons un engagement de longue date et puis aussi des ambitions dans le secteur et il était tout à fait normal que nous venions prendre contact avec le ministre et avoir sa vision dans ce secteur stratégique. Dans l'agenda du patron des ressources hydrauliques et électricité, l'ambassadeur de l'Italie en RDC a également été reçu par le ministre des ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, pour un tour d'horizon sur les secteurs d'électricité. Le ministre centrafricain en charge du développement de l'énergie et sur les sols congolais, cet émissaire centrafricain a discuté hier tour à tour avec le ministre congolais des hydrocarbures, avec qui ils ont parlé des importations des produits pétroliers vers la RCA, et avec le ministre de ressources hydrauliques, ils ont parlé de l'électrification de la ville de Zungu par Bangui et Dichala pour d'autres précisions. Accompagné de la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Mole Kansolo, le ministre des hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, a reçu le ministre centrafricain en charge du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, Arthur Bertrand Piri, bien avant cette importante réunion de travail bilatéral qui a porté sur l'évaluation de la campagne d'importation des produits pétroliers à destination de la République centrafricaine. Les sociétés congolaises CEP Congo, les Rexcom et Neptune et Augusta, pour la partie centrafricaine, ont planché sur les facilités mutuelles et les passerelles de collaboration dans l'intérêt des deux pays. Sur la campagne d'importation des produits pétroliers à destination de la République centrafricaine, la grande quantité des produits pétroliers destinés à la République centrafricaine passe par Kinshasa, passe par CEP Congo. Et logiquement, chaque année, à partir du mois de juin, début juin, 15 juin maximum, les barges remontent avec les grandes quantités de produits pétroliers en République centrafricaine. Avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, le ministre centrafricain en charge de l'énergie, Arthur Bertrand Piri, il était question de l'électrification de la ville de Zongo par Bangui avec un financement Banque africaine de développement. Donc je suis venu échanger avec mon frère qu'on puisse mener la réflexion de telle manière en sorte qu'on puisse mettre en place deux comités. Les bonnes relations entre la RDC et la République centrafricaine sont un gage d'une coopération sérieuse, liée d'un développement mutuel des peuples des deux pays. Les communautés locales impactées par l'exploitation minière, toujours oubliées par ces entreprises minières, elles ne reçoivent toujours pas la rétrocession des 0,3% des chiffres d'affaires de ces entreprises. Qu'est-ce qui bloque? Le comité de supervision était autour du ministre de Mines et de la ministre des Affaires sociales pour présenter un rapport détaillé de réalisations déjà menées sur le terrain. Encore une fois de plus, Edith Tchala. État des lieux des activités du comité de supervision, d'orientation, de suivi et de contrôle de la gestion de la dotation des 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières et des organisations spécialisées. Une réunion au cours de laquelle les ministres des Mines, Kizi Topaka-Pomba et des Affaires sociales, Aziza Mounana, ont pris part. Cette réunion s'inscrit dans la réforme de la législation minière 2018 qui a permis à la République démocratique du Congo de trouver les voies et moyens
pour favoriser le développement des communautés locales. Cette contribution et cette dotation participent au développement durable de nos communautés. Et donc, je dirais, le comité de supervision nous a fait le point des activités à ce jour et de l'ensemble des réalisations qui ont été faites jusqu'au jour. Le comité de supervision, d'orientation et de contrôle est doté d'un règlement intérieur. Ces activités sont planifiées de façon bisannuelle à travers les plans d'action 2022-2023 et 2024-2025. À l'issue de la réunion, Aziz Amounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a plaidé pour plus d'impact sur le terrain afin que le social soit réellement vécu dans les communautés locales. Ouverture le jeudi dernier à Barcelone du sommet d'affaires Afrique-Espagne. Les ministres congolais du commerce extérieur portent la voix de son pays à ses travaux devant les opérateurs venus du continent noir et de l'Espagne. Julien Paluku a vanté les potentialités de la RDC avant de lancer un appel à ses opérateurs à venir s'installer au Congo. Regardez. Une sortie rassurante, Julien Paluku visiblement satisfait de tous les détails apportés devant ses opérateurs économiques espagnols sur la stratégie nationale des promotions des exportations et diversification de marchés en RDC avec ses 62 filières prioritaires dont l'agrobusiness. Objectif, séduire ses opérateurs pour capter plus d'investissements espagnols vers la République démocratique du Congo. Et donc nous avons eu à échanger autour de toutes ces opportunités pour voir comment nous pouvons capter évidemment des investissements espagnols vers la RDC. Nous avons organisé 3 B2B avec d'abord une entreprise internationale qui va accompagner la RDC à améliorer ce qu'on appelle la marque pays. Deuxième B2B, nous l'avons organisé avec M. Raymond Palou, c'est le vice-président de la Commission internationale de ce qui est l'équivalent de la Fédération des entreprises espagnoles. C'est une fédération créée en 1717. Ils ont beaucoup d'expérience en matière d'investissement. Nous avons aussi exploré un certain nombre de filières en présentant notamment notre stratégie nationale de promotion des exportations où la RDC a choisi 62 filières qui vont être développées pour promouvoir les exportations et ainsi contribuer efficacement à améliorer notre balance commerciale. L'évaluation en septembre prochain des accords commerciaux déjà signés entre la RDC et l'Espagne, mais aussi nouer d'autres partenariats gagnant-gagnant, vont constituer la prochaine étape, a conclu le ministre congolais du commerce extérieur, très honoré du travail abattu. Lancement hier par l'Institut national de la statistique de la campagne de sensibilisation des autorités locales et provinciales de Kinshasa sur leur appropriation et accompagnement de l'enquête sur les conditions de vie de ménage. Ricky Nzuzuluya et Bijoué Kamba ont assisté à ces lancements. Disposer des indicateurs fiables pour une bonne prise de décision par les autorités gouvernementales face aux conditions de vie de la population, l'Institut national de la statistique, INES, projette incessamment une enquête d'envergure auprès des ménages dans la capitale Kinshasa. Pour bénéficier de l'accompagnement des services compétents, les bourgmestres des communes, chefs de quartier et représentants de la police viennent d'être sensibilisés par les équipes de l'INES à l'initiative de Madame le directeur général Élisée Tchovou Alima. Un apport dans la lutte contre la pauvreté. L'INS organise l'enquête sur les conditions de vie des ménages en République démocratique du Congo. La réussite de l'enquête dépend en grande partie de la qualité des données recueillies et un soutien des autorités politico-administratives du pays. Près de 150 enquêteurs et chefs d'équipe vont se déployer dans 103 zones pour interroger 2472 ménages. La méthodologie de l'enquête sur les conditions des ménages SVM 2024 et la base des sondages, la population cible et les données, voire les thématiques, ainsi que le personnel, ont constitué l'exposé du directeur technique Manon Doumbi. L'INES, qui sollicite également l'appui de la société civile, rassure la population que cette enquête est gratuite et n'a pas de but fiscal, surtout que ses résultats seront confidentiels.
C'était en 1986, 38 ans déjà, depuis que l'Office national du tourisme a été créé. Pour célébrer cette nouvelle bougie, les agents et cadres étaient autour du nouveau comité dirigeant pour faire une évaluation du trajet déjà parcouru. Tous plaident également pour l'octroi de leur propre site. Tete Bungunja et Patrick Badibanga pour le détail. Près d'une année après leur nomination par le chef de l'État, les membres du conseil d'administration de l'Office national du tourisme ont été présentés au personnel par la directrice générale. Une présentation qui coïncide avec la 38e année d'existence de ces services de l'État. Le tourisme, un secteur sur lequel la République démocratique du Congo peut compter pour élever son économie. 38 ans d'existence, c'est la maturité. Paul Diaké Sebembo, directeur général adjoint de l'Office national du tourisme, a profité de cette occasion pour appeler les agents et cadres ainsi que les partenaires du secteur du tourisme à revaloriser ce secteur qui offre d'opportunités d'investissement en RDC. L'ONT vient de très loin. 38 ans, c'est la maturité. L'âge où il faut créer des émules et s'éparpiller comme une grande famille. Donc, c'est un signe de bonne santé pour l'ONT. Cependant, l'Office national du tourisme fait face à de nombreux défis. Nous manquons d'un site qui nous soit propre. Comme vous savez que toute entreprise créée au sein de la République a droit d'avoir un patrimoine et un capital initial. Et ce qui n'a jamais été le cas pour l'Office national du tourisme, alors qu'il est attendu comme un secteur de diversification de l'économie nationale, mais aussi des créations d'emplois et de richesses. Le deux, c'est que ce secteur n'a jamais joui de cette intégration sur le plan de branches économiques et n'a pas été considéré pour compte comme un secteur producteur. De son côté, Madame la PCA, Malika Mukubu, encourage le personnel à innover et à faire preuve de l'excellence. Les femmes veuves étaient hier dans la rue de Kinshasa. Toutes membres de l'UDPS, elles disent soutenir leur secrétaire général Augustin Kabuya, qui fait aujourd'hui objet de plusieurs menaces. Alain Bikay. Elles étaient dans les rues de Kinshasa pour renouveler leur confiance à celui qu'ils appellent affectueusement mari des veuves, honorable Augustin Kabuya. Au cours de cette procession, les femmes veuves de l'UDPS scandaient des chansons à l'honneur du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de prières en faveur de son représentant auprès d'elle, Augustin Kabuya, qui les a toujours soutenus dans toutes les circonstances. Parti des districts de la Tchangou, en passant par l'échangeur de Limité, la marche de ces femmes veuves avait pour point de chute la permanence de l'UDPS de Limité. Sur place, Mwanabute de Félix Tshisekedi était obligé de bousculer son agenda pour échanger avec ces derniers. Dans son mot, le secrétaire général de l'UDPS a fait savoir à l'assistance que la situation qui prévaut au sein du parti vise à déstabiliser le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est préoccupé par la situation sécuritaire du pays. Concernant la gestion du parti, le secrétaire général révèle que tous les secrétaires nationaux du parti ont été toujours associés aux activités du parti. Et la déclaration de ces secrétaires nationaux est une fuite en avant, car il avait initié un travail pour faire un état de lieu de chaque département dont il attend les conclusions jusqu'aujourd'hui sans suite. À l'occasion, le lieutenant politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a invité les femmes veuves à multiplier les prières en faveur des chefs de l'État et nos vaillants militaires engagés au front, sans oublier nos compatriotes de l'Est victimes de cette guerre d'agression nous imposée par les Rwandais. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Maxime Androkwa Mamita Bangounou. La partie technique a été assurée par José Dimone Kene Gabi Kunga Alain Galia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Tétis Samba. Très bonne suite des programmes sur nos antennes et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.